Ah, voilà. Mais attends, est-ce qu'il y a aussi autre chose là-bas? Ah, mais c'est sûrement le niveau secret, ça, alors. Attends, une porte qui ne s'ouvre pas. Ça, c'est forcément le niveau secret, les gens. Alors là, par contre, je suis désolé, mais je vais me mettre en mode tryhard pour trouver ce putain de levier. Ah, je sais que c'est des grosses putes. Je sais que c'est des grosses putes, je sais. Parce que celui de l'enfer était bien gris, pour bien se fondre dans le décor. Donc, maintenant que je suis au courant que c'est des grosses putes, je fais gaffe. Et c'est tout, voilà. C'est vraiment dans un endroit, tu sais, genre le tout petit endroit que tu ne verrais même pas, que tu regarderais même pas, tu sais, le truc que tu... Merde. Voilà. Ah, il peut très bien être par là en fait. Attends. En fait, faut chercher. Ils le font fondre dans le décor. Donc vraiment, des fois, genre, t'es juste à côté, tu passes à côté, mais tu vois pas. C'est pas un levier qui brille, tu vois. C'est genre le truc, il est. Je me dis si ça se trouve, il est là. En fait, on n'a pas regardé l'entrée du Cyberman Cubus. Le Man Cubus a longtemps été un objet de fascination pour le scientifique du projet Lazarus, une équipe de généticiens montée et menée par le docteur Pierce en personne. Désireux de comprendre la biologie de ces démons, effectue des recherches et manipule le comportement et les effets de ces créatures. Voilà. Le levier peut être ici, parce qu'en soi, c'est... Enfin, c'est à côté. Le levier en fait doit se trouver dans le périmètre approximatif de la porte. Il est pas à 3, genre il est pas au bout de la map. Tu vois, il doit vraiment être pas loin. C'est quoi ça? Le super Turbo Turkey Puncher Tree. Donc ça c'était un jeu qui était sur Doom 3 en fait de base. Il leur foutu là-dessus. C'est vraiment sympa voir en fait. Ouais. Alors, ne bougez plus vite pendant quelques secondes qui suivent une gorille, ça c'est sympa. Armée de fusils d'assaut, éliminez toutes les cibles à la fin de temps parti. Les déplacements sont réduits à 3 secondes après chaque élimination. Hein? On verra. En tout cas, ça c'est cool ça par contre. Super clin d'œil. À moins que je vais regarder dans le couloir. Parce que si ça se trouve. Vraiment, quand je dis c'est. C'est peut-être une. Enfin, le maximum que je l'ai trouvé, c'est une pièce à côté quoi. Et vraiment, la porte, bah généralement, là je vois pas, parce que c'est une pièce qui est fermée, donc qu'il n'y a pas de verrouillage ou de connerie du genre, donc du coup ça veut forcément dire que c'est ça. Dur. Attends. Ok. Oh la vache.
chaud! En fait, c'est le même que celui avec le double canon de tout à l'heure. Sauf que c'est pas atteindre un objectif, là, c'est en fait c'est tuer des gens. Mais le truc, c'est que si, genre, les mecs sont trop loin et que toi, tu peux plus bouger, bah, t'es baisé. Voilà, c'est ça, en fait, le principe. Parce que, pour reparler des leviers, hein, bah c'est parler. Genre, c'est vraiment, à chaque fois, le levier, je l'ai trouvé de manière complètement aléatoire. Ou à cause d'une vidéo. Donc, du coup, je te jure, c'est vrai, c'est vraiment pas de la rigolade. Bon, allez, vas-y, on est chaud. Tuer 50 démons pendant le boost de vitesse. On n'aura plus le Goreki le plus rapide, mais par contre on aura une accélération de vitesse. C'est gavant. J'en suis sûr que c'est ça. Là, tant que j'ai pas trop ce putain de vie. Oh, putain, on peut plus retourner en arrière, fais chier. Bah, le levier peut être que là ou là-bas. Et pour répondre à votre question d'avance, non. Pas moins de voir où est le levier. Il y a pas, le levier est pas lié avec, il y a à la porte, il y a... C'est juste une espèce de micro-barre jaune qui dépasse du sol et qui ouvre cette porte à la con. Je vais avancer si ça se trouve le levier est après, au pire, ben tant pis. Par contre, ici je vais garder mon fusil d'assaut parce que je sens que ces putes vont me mettre des ennemis de type. Pourquoi là-bas il y a une plateforme, genre elle est toute seule? Oh, attends. Mène à où ce? D'accord, ok. Du plus, surtout pas que c'est ça, gros. Alors, mais il y a un truc qui s'ouvre, qui se ferme. Gonfle. Le truc, c'est que tu peux pas voir de loin s'il est là ou pas. C'est qu'avant, quoi. Et on est d'accord, il y a un truc qui bouge là. Attends, mon objectif est d'où? Mon objectif... Ah, mon objectif est d'aller tout droit. Donc... Déjà, il y a un truc d'argent. Voilà. Ah, faut que j'y aille à un moment précis en plus, d'accord. Okay. On va augmenter l'armure à donf. Le levier peut être que là en fait, les gens. Il peut pas être plus loin. Merci l'amélioration d'armure. Il peut être vraiment que là. C'est une certitude par contre. Parce que le levier est pas loin en fait, généralement il est pas genre. C'est pas le genre de truc à être à 3 km. Mais il peut être bien planqué. Et là, je me remarque qu'il peut être encore mieux planqué. Cette bande de salopes ont un chic de planquer des... Putain, je l'ai trouvé. Us ! Il est là.
gueule. Comment je fais pour aller? Ah bah attends, mais j'ai raté un épisode. C'est ouf. Vous cassez les couilles, putain, vous pouvez... Attends. Il est là. Ah, attends. Ah, bon. J'ai pas fait exprès, hein. Le trouver comme ça, j'ai vraiment pas fait exprès. Mais il est trop. Et s'il faut sauter juste au-dessus comme ça, comme un connard, je... Non, non, bah non. Attends. Qu'est-ce... Merde. Attends. Il y a aucun moyen d'y accéder par ailleurs. D'accord. Donc c'est pas aller bien par là. Putain. On va essayer de baiser le jeu en sautant sur un truc, on doit pas sauter dessus. Si ça se trouve, c'est vraiment ça qu'il faut faire. T'sais, le levier au poil de cul, près. Moi, vous aurez vu un levier en live, il me semble que je n'en ai pas vu. Encore. Oh! Putain, j'étais dessus! Oh non. Oh, oh, oh oui. Et là je crève maintenant. T'es. Tristesse. Attends. Oh. Ah merde. Bon c'est bon, on peut continuer, on s'en fout. Non. Alors faut juste attendre. J'ai plus. Ah il y a un drone en bas. Oh, je m'en fous, ça se barre. En bas dans le trou. Ah, attends. Hey. Non. Oui. Ah oui, effectivement, il y a un drone. Il faut faire tout le tour. Après tu montes, ensuite tu... Oui, ok. Ah. Ah quoi, ok. Ah non, c'est... Bon. Ah d'accord. J'ai compris. Quoi? Genre c'était pas une bullet shot là. Ah
Ah, faut attends. Parce que là, je tombe dedans, je suis un peu mort. Non. Je vais prendre la rafale. Ça c'est mieux. Alors, j'en ai 6. Verrouiller les démons plus rapidement. Voilà. Ça là, on va pouvoir aller sur des un peu plus annexe. Alors, oula. Putain, attends. Voilà. Alors, du coup. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, faut que je le fasse. Non. Oui. Bah alors. Non, non, non. Je voulais pas. Il nous fait passer par où ce putain d'Aiden? Attends. Quelque chose en bas? Ah ouais. Ah ah! En dessous. Ah, c'est là où on essaie. Attends. Pourquoi il y a un truc? C'est complètement con. Foutre un truc là. Bref, je sais pas de quoi. Mais... oh putain. Attends. Bah alors. Putain. Fallait y aller quoi pour... faut que je cherche encore une poupée. Mais c'est pas un secret du tout ça. Enfin... Quel connard de pote que t'es, ta putain. Fin du verrouillage. Et en fait les mecs on s'approche aussi du premier boss. Je sais à peu près où il est.
grenouillage actif. Ça augmente nos dégâts aussi ou quoi? Fin du verrouillage. Alors attends. Je suis perdu là. Le concept théorique du BFG 9000 fut développé par le développement de département de recherche et développement du complexe des recherches avancées. Encore plus long. Puis a fini par trouver de quoi se faire financer. La division BFG fut ainsi créée pour travailler sur un prototype. Plusieurs virent le jour, mais une série d'accidents et les pics de radiation consécutifs mirent un terme à la production de masse. Les versions précédentes de l'arme présentent une signature énergétique légèrement différente de celle de la génération actuelle. Certaines libéraient des sphères argent qui explosaient à l'impact, d'autres généraient un laser argent capable de tout transpercer. Le prototype actuel, le BFG 9000, crée des rayons d'argent qui traquaient la cible et font bouillir ses fluides. Ah oh putain, ça fait du bien. De se dire qu'on va l'avoir enfin. Alors... Putain, j'entends rien à cause de ma PS3. Je croyais que c'était écrit OVNI. Alors, du coup, on vient de là. On va devoir aller par là. On fasse. Attends. Donc ici, il y a quelque chose. Ok, bon, si tu veux, tu le fous dans ton sac à dos. Sac à dos. Ouais. Doomguy a besoin d'ouvrir une porte. Qu'est-ce qu'il lui faut? Un fusil à pompe? Un BFG? Le cadavre? Ah non, ça c'est la carte qui fait ça, merde. Je sais plus. Bon bref, doit avoir quelque chose. Je sais plus comment il fait le sac à dos. Et oui, je regardais Dora et je vous emmerde. Ok, il faut faire 50 comme ça. Admirez le BFG 9000. Quel plus grand triomphe pourrait-il y avoir qu'une toute nouvelle arme pour la gloire de l'ascension, née non seulement à la technologie, vous avez fumé là. Mais aussi grâce à votre foi et votre dévouement, elle représente tout ce que nous cherchons, une compréhension au-delà de la science traditionnelle qui ne serait pas restreinte par la simple contemplation. C'est uniquement avec vos TCES, je sais pas c'est quoi, que la puissance d'une terre pourrait être appréhendée, elle n'a pas besoin de science mais de foi. Bien que l'accès au BFG 9000 soit strictement réservé aux défenseurs de classe 3, nous vous encourageons à réfléchir au jour où vous serez... Vous aussi, vous pourrez admirer cette merveille, et si vous êtes chanceux, découvrir sa majesté grâce à une décharge révigorante de son énergie. Mmh. Et c'est quoi ça? Ah, je crois que c'était un test en fait. Allez, on va te chercher. J'arrive, bébé. J'arrive. Ah, attends. Je vois qu'on peut avoir une poupée. C'est pas là où j'étais ?
Voilà, et en fait le BFG fait les deux. Ah, je te vois. Bah alors. What is it? Don't get us. D'accord, ça mène alors. Bon, elle est fine de rigoler là. Ah d'accord, ok. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Personnel non autorisé. Confirmé. Début de l'expulsion dans 5, 4, 3, 2, 1. Non, je partirai avec toi. Ah, la faute. Activation du système de sécurité laser. C'est quoi ce délire? Ah, je crois qu'il fallait sauter sur le déco. Ah, merde. Non mais s'il te plaît, j'ai montré l'œil de l'autre. Tu vas pas plus me dire que l'autre il détecte si c'est bien l'autre qui rentre. Au pire, tu t'embarques l'autre encore quelques mètres. Putain, les mecs ils protègent l'arme comme si c'était le Graal quoi. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est l'arme ultime. Enfin, mais voilà. Je pense que dans ce jeu, c'est l'arme sauveur de vie plutôt. C'est ça. Vieille amie, lorsqu'il est correctement chargé, ionisé et comprimé, il peut projeter des redoutables charges d'énergie argent à une vélocité et à un niveau bien supérieur à ceux des armes conventionnelles. L'utilisation militaire de l'énergie argent conduisit à la production de masse du fusil à plasma. Rapidement, l'UAC comprit qu'elle pouvait en tirer bien plus. BFG 9000 est l'apogée de ce travail. Il n'en existe qu'un prototype gardé dans le CRA de la division BFG. L'arme libère des rayons d'énergie argent sur plusieurs cibles qu'elle est même capable de suivre. Les rayons indiquent également toute source d'argent à proximité, le plus souvent des démons, mais aussi des balises implémentées dans les cobayes humains. Lorsque le rayon atteint sa cible, il exprime toute l'énergie emmagasinée en une fraction de seconde par le biais d'un arc électrique faisant bouillir les fluides et fondre les tissus adipeux de la cible. S'ensuit fréquemment une explosion du sujet. Et en fait, là, l'arme est sur le bouton triangle. Et on a que 3 balles. C'est pour vous dire à quel point bah c'est pas de la rigolade. Voilà. Ah, c'était pour qu'on tire avec, mais je voulais pas tirer avec.
Ah ah. Les démons sont plus résistants que lorsqu'ils sont... Le président que se soit étourdi, plus d'excuses pour avoir raté une glory kill. Ah, d'accord. C'est carrément un truc pour t'obliger à faire des glory. Ah, mais c'est trop pute. Qui aurait l'utilité de jouer avec ça? Ah, mais même pas en rêve, je le mets là, ça va me foutre plus dans la merde qu'autre chose. Je recommencerai un des premiers niveaux et puis je le montrerai à fond, mais c'est. Ça va être de la merde à monter, ça. Si tu fais ça dans un niveau comme ça, tu vas tellement en chier parce qu'il y a des trucs qui sont. Beaucoup plus durs à glory, quoi. C'est chaud. Il faut être précis de ouf en plus. En plus, c'est un truc de merde. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à le faire. Wesh! Ah, il faut les glory. Ah. Putain, j'ai pas compris ça, moi je pensais qu'il fallait faire 8 kills au pistolet, bah... Merde, putain. Faut que je trouve la limite pour ne pas être tué en fait avec le tir chargé. Okay. Je crois que je l'ai trouvé. Ah, c'est vraiment de la merde cette rune, putain, mais gros... Ça sert à rien en plus. Parce que les autres runes, encore ça va. C'est des trucs, genre la rune avec les je sais pas combien de points d'armure qu'il faut. C'est long, mais ça va. Mais ou encore la rune, enfin ça va, mais ça... Je vais pas m'infliger de me compliquer la tâche. En voulant monter ce truc à la con, alors que je sais très bien que il y a de fortes chances qu'après je retourne en enfer, donc ça risque d'être encore plus la merde. Non, c'est bon. Je sais pas, c'est complètement con, je... C'est quoi le but? Tu dois quoi pour l'améliorer en plus? Étourdissez sans démon. Les démons sont... Toi, attends. Les démons sont étourdis par des coups plus faibles. Ah, donc du coup, après, c'est encore plus simple à les foutre en glory, quoi. Ok. En termes de défi, j'en sais à où. Ah, il me reste encore un. Je l'avais oublié.
Ouais, je vais le faire. Puis ensuite, il me reste deux secrets. Donc forcément, bah, c'est le garde d'élite, je pense. Et puis. Ils sont pas méga relous, hein. C'est un téléporteur, ça. C'est quoi, ça? Max? Ah, c'est pour charger le BFG. Je suis tellement pas prêt. Je suis coincé, mais... Ah, mais t'es derrière la compte, foutre des vitres là. Putain, j'étais tellement bien parti en plus, je suis... Oui. Oh putain.
Ils sont beaucoup plus rares, ils sont beaucoup plus résistants ces coups. Putain, hein. Attention, arrivée de l'ascenseur de service, Lazarus. Présent des monarques et des niveaux de sécurité. Vers mon objectif. Vous allez essayer de me baiser, mon petite pute. Ah, c'est fini ? Mais comment tu fais pour... Ah, je suis perplexe. Je suis perplexe.